Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très spéciale. Pour ceux qui me suivent depuis mais vraiment le début de chez le début, il y a très très longtemps, j'avais fait une vidéo unboxing mystère. Donc, qu'est-ce qu'un unboxing mystère? C'est que vous commandiez par exemple un colis sur une marque et vous avez des articles au hasard dans ce colis. Donc, généralement, tu mets ta taille, tu as plusieurs colis différents, tu as un prix par exemple pour 50 euros. T'as 80 euros de marchandise, mais tu sais pas ce que t'as, c'est du hasard. Et du coup, j'ai la marque Omis Brand qui m'a gentiment envoyé un colis mystère de leur site. Donc, marque française, bien entendu. Donc, à savoir que c'est les seuls en France qui font ça. Moi, j'avais commandé chez Haute Future il y a très longtemps. Du coup, bah, je vous remettrai la vidéo si ça peut vous intéresser. C'est vraiment une ancienne vidéo, si vous voulez rigoler un petit peu. Et là, du coup, ils m'ont gentiment proposé de m'envoyer un colis pour que je le déballe en live, les gars. Je sais pas du tout ce que je vais avoir. Le colis, il se présente comme ça, à peu près. Donc là, ils m'ont gentiment écrit mon prénom, donc mon blast, pardon, excusez-moi. Et là, du coup, vous avez un petit stickers de la marque collé juste ici. Moi, j'ai pas encore ouvert le colis. Donc chez eux, il y a deux types de colis mystère. Donc t'as la boîte mystère standard qui coûte 40 euros et dans ce colis, tu peux avoir une valeur de 50 à 75 euros. Et deuxième colis, c'est le colis mystère deluxe d'une valeur donc tu payes 80 euros et dans ton colis, t'as des articles de 120 à 100. 60 euros. Après, ça peut être plein de choses. Ça peut être par exemple un sweat, une casquette, un accessoire. Juste à sélectionner ta taille. Tu reçois ça chez toi. Et puis voilà, après, t'as juste à ouvrir et bah, voir si ça te plaît. Après, je trouve que c'est vraiment un bon truc. Moi, c'est le genre de délire que je kiffe, moi, les boîtes mystères. Faudrait que plein de marques fassent ça, je pense que ça pourrait être vraiment un bon truc. Là, rien qu'ils fassent à eux, ça amène un truc vraiment, vraiment stylé. Omis Brand, ils sont portés par pas mal de personnes. Il y a 2-3 rappeurs qui portent leur sable, genre Lord Esperanza, pardon, Youfdi, Panama Bende, il y a vraiment plein de gens. Il y a aussi Vince et Gaelupa qui portent ces fringues, ils avaient déjà aussi envoyé chez eux. Donc voilà, c'est vraiment une marque et c'est pas une marque nouvelle, c'est vraiment un peu connu quand même. Et aussi du coup pour ceux que ça pourrait intéresser, à la fin de la vidéo j'ai un petit code promo de 10% pour vous. Pour ceux qui veulent commander une boîte mystère ou qui veulent juste commander un article sur le site, j'ai un petit code pour vous très sympathique, donc restez fort jusqu'à la fin de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais essayer de prendre au hasard, tu vois, vraiment j'ai trop hâte. Ça me fait trop plaisir qu'on m'envoie un truc comme ça, tu vois. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais essayer, là j'ouvre le colis, tu vois, j'essaie de pas voir ce qu'il y a dedans. Alors déjà je vois, il y a un petit mot. Alors hop, je referme ça vite fait. Du coup à chaque fois que vous commandez sur leur site, vous avez un petit carnet comme ça. Donc il est Omis Clothing, keep an eye your Omis. Ce que ça veut dire, voilà, en plus je l'avais dit dans la vidéo, mais j'ai un problème avec l'anglais. Donc je m'en rappelle plus trop. Donc à savoir, vous avez une petite sucette. Ça c'est les sucettes. Wow, comment je mangeais ça fort au collège. Il y en avait des bleus aussi, je m'en rappelle. Wow, ça date. Donc là, plaisir d'offrir, tac, hop, un petit truc, tout. Le petit, oh là, stickers des familles. Bon, j'adore les stickers. Du coup, petit stickers des familles qu'on aime. Et du coup, il y a juste un petit bail comme ça. Donc dès que tu commandes, il t'envoie un code pour ta deuxième commande. Donc t'as 10% en plus, donc si tu fais une première commande. Et du coup, keep an eye on Omis, donc c'est marqué juste là. Vous avez un petit calepin qui explique un peu la marque. Donc là, il y a deux papiers. Je viens de voir qu'il y a, vite fait les prix des articles qu'ils m'ont envoyé. J'ai pas regardé, franchement, j'ai fait wow, wow, wow. Enfin, faut vraiment que je me garde le truc jusqu'au bout. Ils m'ont envoyé un petit mot. Yo Birus, l'équipe Omis te remercie personnellement pour l'importance que tu apportes à notre marque. En espérant que les produits dans la boîte mystère standard te plaisent, nous restons bien évidemment à ta disposition, le co-créateur d'Omis Brand. Donc du coup, le colis est là, on recommence. Donc là, normalement, il n'y a plus de papier. Alors attends, j'essaie de prendre, tu vois, vite fait là. Il n'y a rien d'autre. Hop, du coup, premier article. Aïe, 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 petit t-shirt rouge, mon gars. Alors attendez, je pose ça là. Petit t-shirt rouge, Omis Brand. Donc vous avez le petit t-shirt tout rouge comme ça, avec le petit logo en jaune. Moi je kiffe ça, faut que je trouve une paire. Ça, ça va matcher. Faut que je mette un petit... une petite paire d'Air Max rouge là. Hop. Donc ça se présente comme ça. Donc après ça taille normalement, ça par exemple c'est du S. Et bah moi je fais XSS, ça dépend des marques. Et S bah c'est nickel. Donc, prenez votre taille normale. Donc ça se présente comme ça. Petit dos rouge comme ça. Moi je trouve ça très stylé. Petite étiquette à l'intérieur, Made in France. Tac. Après je vous mettrai là peut-être dans le coin, je vous mettrai porté bien entendu, ne vous inquiétez pas. Donc tac, hop, deuxième article. Alors attendez là,
Est-ce que je prends le premier truc? Ça, c'est gros, ça sent le hoodie, ça. Ça, hop, attention. Aïe, aïe, aïe. Petit hoodie. On va faire la couleur, c'est lila ou un bail comme ça, je suis sûr. Après, je retrouve petit hoodie lila, du coup. Du coup, petit hoodie qui se présente comme ça. Donc, couleur un peu violet, lila, mauve. Je sais pas exactement la couleur. Après, petit logo brodé Homies. Tac, un petit truc là. Tac. Donc ça, ça va matcher avec une paire qui arrive très très fort. Je pense que ça va être nickel en vrai. Là, là les gars, ils vont m'y mettre très très bien parce que je viens d'acheter une petite paire qu'on va unboxer bientôt, quand je ne pourrai pas vous dire. Parce que même moi, je ne l'ai pas reçu encore, donc je sais pas. Donc ça, petit suite au Miss Brand. Franchement, je kiffe fort. Là, du coup... Oh, là, il y a un petit truc là. Hop, troisième article. Donc là, un petit porte-clés. Et bah, il me fallait un porte-clés pour ma voiture, impeccable. Oh, Miscope, putain, c'est vachement stylé. Alors attends, ça je jette. Donc ça en fait c'est un petit porte-clés avec une Dragon Ball du coup, avec le logo Homies. Et là du coup derrière, ça c'est très lourd, il y a marqué Omniscorp. Donc en fait, pour ceux qui suivent Dragon Ball, bah pour ceux qui suivent pas, je vous explique. En fait, bah dans Dragon Ball, il y a une meuf qui s'appelle Bulma, en fait, elle a une entreprise. Du coup ça s'appelle Capsule Corp, pardon. Et là du coup ils ont mis Omniscorp avec les couleurs, etc. Je vous mettrai une petite photo de plus près. Et ça c'est très stylé, je vais m'empresser tout de suite de mettre ça aux clés de la voiture. Porte-clés, cherche pas les clés de mon cœur, j'ai que les clés de la Peugeot. Cherche pas les clés de mon cœur, j'ai que les clés de la Lambo. Et du coup, dernier article, je vérifie qu'il n'y a plus rien. Tac. Un petit t-shirt. Wow, il est grave stylé celui-ci. Oh, Miss Brand. Après, toi, ça c'est bien. Moi, franchement, les couleurs comme ça, je kiffe de ouf. Je kiffe, moi, de toute façon, tout ce qui est couleurs et tout. J'aime bien être sobre, tu vois, des fois, de m'habiller en noir, en gris, tu vois, des trucs simples, marine. Et quand il y a un petit truc qui rajoute une petite couleur là, c'est stylé fort. Donc là, ça c'est couleur un peu menthe. Tac, t-shirt assez léger, avec marqué Oh, Miss Brand. On dirait que c'est une peinture faite au pinceau là. Et du coup, petit derrière, petit logo Oh, Miss Brand. Tac, leur petit logo grave stylé d'ailleurs. Et toujours la petite étiquette Made in France, bien entendu. Donc du coup, voilà, ça c'est la fin de la vidéo. Donc là, je vais vous dire à peu près, donc le colis, normalement, de base, tu le payes 40€. Et je vais te dire à peu près les prix, ils ont tout mis. Tac, alors attendez. Ça, normalement, en fait, à chaque fois, ils vont t'envoyer ça sur ta commande, je pense. Alors attendez, que je prenne mon téléphone pour faire la calculette. Donc en gros, en fait, c'est un tirage au sort. Je savais pas du coup. Sur 10 codes. Donc en fait, je pense qu'ils doivent mettre tous leurs articles. Et ils doivent tirer au sort, tu vois, pour vraiment mettre au hasard. Donc le porte-clés DBZ. Homies, c'est 4,90€, donc 5€. Donc 5€, le petit t-shirt rouge jaune est à 15€. Le petit hoodie, ah, ils mettent violet modéré. Moi j'appelle ça lila, violet modéré, 40€. Là tu vois déjà t'es à 60, ta boîte tu l'as payé 40€ et t'es déjà rentabilisé direct. Plus le petit t-shirt menthe, 70€. Donc franchement, ta boîte elle est rentabilisée mais direct. Après c'est par exemple ça, moi je trouve ça sympa quand tu sais pas quoi prendre. Des fois t'as trop de trucs sur les sites, tu sais pas quoi prendre. Bah, tu fais petite boîte mystère, tu dis vas-y, bon, on va mettre au hasard, on va faire jouer le hasard ou la chance, Sophico, tu connais. Et du coup, je trouve ça très très cool. Donc, au début de vidéo, je vous avais parlé d'un petit code promo. Il suffit que tu tapes en majuscule virus10 et tu as le droit à 10% sur ta boîte mystère ou sur un article au choix sur tout le site. Tu vois, tu prends ce que tu veux, ça fait plaisir. Merci à la marque Homies Brand de m'avoir envoyé ce petit colis très 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 sympathique. Je vous mets leurs réseaux sociaux et leur site en description. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo, les gars. Peace.